La comédienne s'est notamment fait connaître grâce à la sitcom à succès Marc et Sophie, diffusée entre 1987 et 1992 sur TF1. Depuis, Julie Arnold s'est plutôt tournée vers le théâtre. Elle a joué dernièrement dans Panique au ministère aux côtés de Rebecca Hampton et Philippe Chevalier. L'actrice a également fait parler d'elle pour sa relation avec l'ex-journaliste sportif Gérard Holz, qui, depuis ses adieux à France Télévisions, a fait ses premiers pas en tant que mannequin pour la marque de luxe italienne Brioni, maison qui fournit notamment les costumes de James Bond. En 2009, alors que ce dernier vient de se séparer d'Alexandra Kazan, il retrouve l'amour dans les bras de Julie Arnold. Entre eux, le coup de foudre aurait été immédiat. Une histoire qui n'aura pas duré longtemps comme l'actrice l'avait révélé dans les colonnes d'Ici Paris, juste le temps qu'il fallait, c'est la vie, on a vécu ce qu'on avait à vivre, c'est tout. Mais on est toujours en contact, avait-elle indiqué en 2016, sans en dire davantage sur les raisons de leur séparation. Depuis, les deux ex-amoureux ont définitivement tourné la page. Si Julie Arnold est plutôt discrète sur sa vie privée, Gérard Holz, lui, a refait sa vie avec l'actrice Muriel Mayette, avec qui il s'est marié en 2013. Le 6 décembre 2010, à 23h23, après la première du fil à la patte, je vois une rousse flamboyante venir me saluer. J'ai su qu'elle était la femme de ma vie, avait-il déclaré sur le plateau de Thé ou Café, en 2016. Et d'ajouter, si j'ai demandé Mu en mariage, si je suis dans un bonheur absolu, c'est que pour moi, elle représente toutes les femmes à la fois.